Les autorités égyptiennes ont arrêté au Caire un étudiant israélo-américain de 27 ans pour espionnage. Selon le quotidien Alarm, Ilan Grappel serait un officier du Mossad qui aurait essayé de saboter la révolution égyptienne. Son père, Daniel Grappel, a nié catégoriquement l'accusation. Grappel, rappelons-le, a émigré en Israël des États-Unis. Il a servi dans le Sahel et a été blessé durant les combats de la Deuxième Guerre du Liban en 2006. Il a étudié l'islam et parle donc couramment l'arabe. Et il semble avoir voyagé sous son vrai nom, et ses connexions en Israël étant faciles à trouver sur Internet, il semble donc peu probable qu'il soit un agent du Mossad. Yigal Palmor, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, a déclaré qu'Israël attendait d'être officiellement informé par les autorités égyptiennes de l'arrestation d'un citoyen israélien pour espionnage.